Cet homme, colporteur moderne des bonnes et mauvaises nouvelles, n'est pas le facteur ordinaire d'une rue ordinaire, d'une ville ordinaire. Monsieur Plumecoq est le facteur très extraordinaire de la non moins extraordinaire rue de la Gaîté. Car à Binche, comme ailleurs, le très extraordinaire est souvent presque exactement pareil que le très ordinaire. Tous les jours, à la fin de sa tournée, entre 1h-17 et 1h-14, Monsieur Plumecoq a une charmante manie. Un petit café, un petit biscuit et les pages accidents de la Voix du Nord. Mais une fois par an, ce rituel s'interrompt. Car une fois par an, rue de la Gaîté, tout dégénère. Les révolutionnaires prennent le pouvoir, les ratons laveurs sont en crise de nerfs, les loups perdent leur meute et les licornes sont maniaco-dépressives. Il y a des carrières de mannequins qui se lancent et des reloutings sauvages. Des humains en cage et des bêtes féroces en liberté. Un remake des Dents de la Mer, des gens qui se mettent la tête à l'envers, dans tous les sens du terme. Des plumes, des plumes, des plumes et de bien jolis poulets. Mais le reste du temps, tout semble paisible. Et Monsieur Plumecoq peut reprendre paisiblement la lecture de ses pages accidents. Mais si au lieu de lire le journal, il ouvrait et lisait le courrier des habitants, il en apprendrait des choses. Il apprendrait sûrement que Giuseppe garde juste en dessous de son magasin de vêtements une caverne d'Ali Baba. Dans ce temple d'amour filial, il vient souvent contempler les centaines de coupes gagnées par son père, grand champion de pétanque. Ou que Philippe, le coiffeur, ayant grandi avec un père amnésique, collectionne depuis des années des milliers de souvenirs de moments heureux pour avoir une vraie mémoire physique à transmettre à ses enfants. Ou que Maria et Lorenzo, le couple de traiteurs italiens de la rue, s'aiment tellement fort et aiment tellement fort leur boutique qu'ils ont passé les 13 premières années derrière ce comptoir sans prendre un seul dimanche ou un jour de congé. Mais Monsieur Plumecoq ne lit pas le courrier de ses concitoyens. Et tous ses petits secrets restent très bien gardés. Car ici, comme vous avec vos voisins, tous ignorent au moins une chose de la vie des uns ou des autres. Une chose qui fait le sel de leur vie. Mais commençons l'histoire par le début de la rue. Ici, la belle Nadia a ouvert son salon de coiffure juste en face de chez elle. Et depuis, entre Rose, sa petite propriétaire, et Priscilla, son ouvrière, tout n'est que complicité et beauté, luxe, fou rire et volupté. Le problème, c'est que c'est mon doudou, tu vois. Tu vois ce que c'est, un doudou ? Ouais. Avec lequel on dort. Ah oui, moi, je vais avoir mon lit pour moi toute seule. Ouais. Et puis, on fait ça aussi pour autre chose. Mais c'était déjà arrivé, quand même. D'être amoureuse. De vivre avec un homme. Ah ben oui. Bah oui, le père de mes enfants, oui. Bien sûr. Par contre, pour aimer, il faut pouvoir estimer. Si on n'a pas d'estime, on ne sait pas avoir d'amour.
Moi, j'ai beaucoup d'estime avec tout le monde, mais ça ne vient pas. C'est ça le problème. Moi, je crois qu'ils partent parce que je ronfle trop. Sûre et certaine. C'est dû à ça. Je ne le sais pas moi-même, mais à mon avis, c'est ça le souci. Non ? Je ne sais pas, je n'ai jamais dormi avec toi. Essaye, tu me diras quoi. La relation que j'ai avec mes clientes, mes petits bouts de femme, comme je dis, c'est l'évolution dans ma vie. C'est apprendre. L'une est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre elle a du chagrin, l'autre elle est heureuse, l'autre elle a des échecs. Et je me dis, ben, tout compte fait, on est toutes alignées à la même enseigne. Hein. On a des divorces, on a des clashs dans la vie. Et je me dis, je ne suis pas toute seule à porter ma croix. Il faut les connaître, les femmes. Je ne sais pas quoi fait une cliente sans connaître ce qu'elle aime, ce qu'elle vaut. Et je suis tactile, j'ai à savoir et j'ai à connaître. De pouvoir les rendre belles. Enfin, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais on y arrive quand même, Nicole. Oh, si tu le dis. Oh, si, tu es belle comme un cœur. Oui. Ça te plaît? Facile. À l'autre bout de la rue, il y a la pharmacie. Elle existe depuis très 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 longtemps. Aujourd'hui, c'est la pharmacie de Martine et Sabine, ou Sabine et Martine. Les deux sages aînés de la fratrie de 5 enfants l'ont reprise de leurs parents il y a déjà 25 ans. Enfin, sages, en vitrine au moins. Dans un avenir rapproché, toutes les petites pharmacies comme la nôtre vont disparaître. La rue de la Gaîté est devenue le désert et on l'appelle maintenant la rue de la désolation. La rue s'appelle la rue de la Gaîté. Ici, dans un mélange d'espièglerie et de conservatisme, on attend patiemment la pension. Et c'est à croire que rien ne vient perturber l'ordre établi, fait de prescriptions et de petits conseils. À mon avis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il vaudrait mieux voir un podologue qui fasse une semelle sur mesure. Mais il a le job, même, ça. Oui. Et ça va pas? Ça ne va pas. C'était peut-être pas la même chose. Je sais pas. Faut pas chercher à comprendre. Ça. Mais on aurait tort de se fier aux apparences, car derrière cette ambiance surannée se cache un secret. L'histoire d'un amour interdit. Et c'est ça qui fait pétiller l'œil de notre pharmacienne. Enfin, Sabine réfléchit. Tu sais, quand tu en auras 50, il en aura 80, et qu'est-ce que tu feras? Bon, quand on aime... Quand on aime, on ne compte pas. Ni les années, ni l'argent. C'est un dicton que Bernadette connaît bien. Jérémy, tu sais vous donner les clés? Merci. Cette maman a tout vendu pour voler au secours de son fiston quand celui-ci a fait un burn-out. Une histoire douce comme le duvet d'une autruche, à l'image de ces deux drôles d'oiseaux venus faire leur nid ici. Bernadette a peut-être eu autant de vie que les habits de seconde main qu'elle vend aujourd'hui. Déscolarisée par des parents utopistes et voyageurs, à 6 ans, elle chassait elle-même le gibier qu'il mangeait le soir. Une vie hors cadre, où tout recommençait à zéro, ne fait pas froid aux yeux. C'est une façon de réagir et de rebondir à quelque chose qui est en face de toi et tu te dis « je fais quoi ?» Mon fils avait fait un burn-out, ras-le-bol total. Et voilà, on a décidé d'ouvrir quelque chose à la base, mais on ne savait pas quoi. Et comme on est passionnés tous les deux par un certain type d'objet un peu insolite, eh bien, on a décidé d'ouvrir un cabinet de curiosité. On a décidé de mettre tout en commun et de tout vendre pour réaliser notre projet. On n'avait plus un bal, rien, rien, rien. On n'avait plus rien.
tu te poses la question quand tu peux faire tes pâtes mais que tu n'as quasiment plus rien à mettre dedans. Tu te poses la question, mais tu te dis c'est temporaire. Tu te dis c'est pour développer quelque chose. C'est pas être fauché pour être fauché, c'est pour vraiment développer. Donc ça vaut la peine. Donc on patiente mieux, on est à deux, c'est une force supplémentaire. Voilà, tout est multiplié par deux. Au jour d'aujourd'hui, c'est chacun sa boutique. Et voilà, lui grandit dans la sienne, moi je grandis dans la mienne. Mais on a cet échange, ce partage. Voilà, qui est très, très intéressante, c'est guère, ça. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Elle a une triste enfance parce que elle n'a pas eu sa maman. Deux fois, sur très peu de temps, elle m'a appelée maman et elle s'est reprise tout de suite. Ça lui est sorti, ça c'est dernièrement, hein. Jamais sur 10 ans ça ne lui est arrivé. Comment je t'ai appelée? J'aime beaucoup, c'est ma fille de cœur. On sait avoir des fous rires quand son salon est fermé, qu'on se fume une dernière petite cigarette là derrière. Moi, j'ai des fous rires avec ce qu'elle me raconte. Son fils, c'est un beau garçon aussi. Nadia vit ici avec son fils Léo. Sa fille aînée, Morgane, vit et travaille à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas, j'ai te demandé la même chose. Allez, on verra bien. On va voir ce qu'il y a dans le frigo. Ouais, ça va. Parfois dans la vie, la passion nous foudroie et le reste du monde disparaît. Une passion amoureuse ou une passion pour son travail. Alors, il n'y a plus de limite et on va jusqu'à s'abîmer soi-même. C'est ce qui est arrivé à Jérémy, le fils de Bernadette. Sa passion pour ce qui se cache derrière la vie l'avait amené à choisir un tout autre métier que le cabinet de curiosité. Il y a 10 ans, voulant devenir embaumeur, il se fait embaucher dans une entreprise de pompes funèbres. Une expérience qui va le marquer à jamais. On n'oublie jamais sa première fois. Et la première fois avec la mort, je ne l'oublierai jamais. J'ai 18 ans, je débarque dans un funérarium, je suis tout frêle, en costume cravate, et il y a une grand-mère... installée sur la table dans la salle d'embaumement. Et là, pas le choix, on me dit, ben voilà, tu dois faire la toilette mortuaire de cette dame, alors que j'ai aucune connaissance, je ne sais pas comment manipuler un corps, je ne sais pas comment on fait. Et en fait, on me dit, de la manière la plus simple, on me dit, ben tu prends un gant de toilette et du savon, et tu y vas. Au fil des années, j'ai enterré environ 1 millier de personnes. Et c'est un métier que j'ai vécu avec beaucoup de passion. C'est un métier qui m'a énormément passionné. J'étais sur tous les fronts et paradoxalement, ça me plaisait. Et je me suis aussi peut-être épuisé tout seul. J'ai pas su me préserver. Ça a été vraiment crescendo. Pour ensuite me réveiller un matin et ne plus savoir me lever de mon lit parce que mon corps et ma tête me disaient stop, j'étais complètement épuisé. Et ce jour-là, j'ai décidé de tout arrêter. Quand le corps et la tête s'arrêtent, les masques tombent et on se retrouve seul face à soi-même. Suite à un sérieux travail d'introspection, Jérémy commence enfin à comprendre d'où vient sa fascination pour la mort. J'ai perdu ma grand-mère maternelle quand j'avais 8 ans. Et bien que j'avais déjà été confronté à la mort, mais de manière plus distante,
quand ma grand-mère est décédée, en fait, elle avait émis le souhait que, qu'elle ne souhaitait pas que je la voie dans son cercueil, de peur. Enfin, en tout cas, elle voulait me préserver de ça. Et en fait, je n'ai pas pu conscientiser le décès de ma grand-mère. Et cette étape cruciale, je l'ai manquée. J'ai manqué ce rendez-vous avec la mort. Et ce rendez-vous avec la mort est très important pour construire sa propre vie. C'est grave quand même. Apprendre à construire sa propre vie, c'est grave, oui. Et c'est souvent l'amour qui nous aide à le faire. Combien de ces lettres distribuées par Monsieur Plumecoq contiennent des mots d'amour? Et combien de lettres d'amour avez-vous écrites, vous, dans votre vie? Il y a les mots d'amour qu'on écrit, il y a ceux qu'on dit, qu'on murmure, et il y a ceux que l'on tait, interdit, mais que l'on voit tapis dans le regard de l'autre. Ce sont ces mots d'amour-là que Sabine a vus dans le regard de Michel. Mais c'est presque incompréhensible. C'est vrai que quand on réfléchit, on se dit quelquefois, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on est attiré l'un par l'autre? Tu ne t'imagines jamais que tu peux tomber amoureuse de quelqu'un qui a l'âge de ton papa, en fait. Il a l'âge de mon papa. J'ai 27 ans. Je vais au conseil paroissial. Au conseil paroissial, il y a tout un groupe d'adultes, dont Michel, qui était là en tant que responsable de chorale paroissiale. Et je me souviens que, déjà, j'aimais bien quand il était là parce qu'il me faisait rire. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'il était amoureux de moi. Et moi, ben, il me plaisait bien, mais comme c'était ma première vraie rencontre, je ne savais pas encore très bien si j'étais amoureuse ou pas. Et puis voilà, un jour, ben, je me suis rendu compte que oui, que j'étais amoureuse. Mais comme dans toutes les plus belles histoires d'amour, ça ne pouvait pas être aussi simple. Le prince charmant de Sabine appartenait déjà à une autre. Moralement, le fait qu'ils soient mariés, ça me posait un problème. Parce que j'étais et je suis toujours catholique pratiquant, donc je sais que j'étais en dehors du droit chemin, je vais dire. Mais bon, quand on aime, moi je trouve que l'amour est plus important que tout le reste. Donc bon, je me suis habituée à vivre comme ça, quoi. Le seul sacrifice que j'ai dû consentir, c'est l'idée de ne pas avoir d'enfant. Parce que quand on s'est mis ensemble il y a une dizaine d'années, ben, c'était trop tard. Et avoir un enfant dans les circonstances comme on était, je trouvais que ça n'allait pas. Sabine l'a attendu, certes, mais il n'y a pas que des désavantages à vivre un amour interdit. C'est vrai que c'était un amour clandestin, on a dû se cacher beaucoup, mais ça a mis beaucoup de piment dans notre vie. Et même à un moment donné, moi je me souviens, quand on commençait à vivre ensemble, ça me faisait drôle, quoi, parce que... Il y avait ce petit sel-là qui n'était plus là, quoi. Oui. En fait, quand on partait en excursion au début, on partait le dimanche. Mmh. Pas tous les dimanches, mais de temps en temps, on partait le dimanche. Et pour qu'on ne nous voit pas partir ensemble, Michel prenait le train à Binche et il descendait à la gare suivante. Mmh. Et moi, avec ma voiture, j'allais le chercher à la gare suivante. Et on partait en excursion. Ah, c'était chouette, hein? Oui, oui, oui. Ou alors, parfois, la veille d'un carnaval, on s'est retrouvés un samedi après-midi. Il était descendu par un petit chemin de terre, et moi, j'étais montée dans l'autre sens. Il m'a offert les fleurs, et puis on est reparti chacun de son côté, pour qu'on ne nous voit pas ensemble en ville. La larme aux yeux quand même, là. Hein? Oui, oui, là, oui, oui. Je me souviens de ça, oui. C'est vrai qu'on a beaucoup pleuré au début. Oui, hein? Ben oui, oui, oui. Enfin, voilà. Oui, un roman. Ben un oui, roman. Ben oui, c'est bien, un beau roman. Enfin, voilà. Je l'ai attendu 20 ans. J'aurais pu l'entendre beaucoup plus. Moi, c'était l'homme de ma vie et je n'ai même jamais pensé faire ma vie avec quelqu'un d'autre qu'avec lui. Parce que je suis folle amoureuse, et je l'étais, et je le suis encore.
nos vies sont jalonnées de grands bonheurs, mais aussi de grandes blessures. Nous les entreposons quelque part, en attendant. Et puis un jour, enfin, on a le courage et la force d'y faire face. C'est ce jour-là dont va nous parler Nadia. Le jour où elle a eu le courage de partir à la recherche de sa mère, qui l'avait abandonnée toute petite. Pendant 30 ans, elle n'a rien su d'elle. Son père, qui l'a élevée, ne lui en a jamais rien dit. Tu te dis, ah ben, tout le monde a une maman, ben on va la créer soi-même, quoi. Tu lis un livre, tu fais tes personnages. Ben, moi, j'ai mon histoire et je faisais mon personnage aussi. J'avais envie de créer un personnage. Et bon, à un moment donné, quand tu te sens un peu plus grande, un peu plus forte, parce que tu es une maman, j'ai ma fille. Ça a été mon plus grand bonheur. Je voulais une fille d'abord. Voir la relation mère et fille, pour qu'elle me dise maman, ce mot maman, que j'ai jamais pu dire. Et que c'était un mot qui était banni de moi. Hein. Elle avait 4 ans, 5 ans. Là, j'ai commencé à faire les démarches pour savoir qui est cette image, qui est cette femme. Moi, j'avais le sentiment de me dire, ah voilà, maintenant je me sens assez grande, assez forte, et je vais le faire, je vais le faire. Et ça t'envahit. Tu te dis, maintenant, il faut que je sache qui c'est. Sans blesser mon père, sans blesser le reste de ma famille. Et je l'ai fait, et un beau jour, j'ai trouvé sa trace à Bruxelles. Franchement, j'habitais Bruxelles pendant 25 ans. Je l'ai trouvée, et ouais, on s'est donné rendez-vous. Et quand j'ai ouvert la porte, on aurait dit, comme un château de cartes. J'ai dit, oh purée, c'est pas elle. Tu attends tellement longtemps de la voir, tu fais pendant des années une image, mais tu la gardes cette image, hein. Tu la gardes vraiment. Si on m'avait dit, hein, comment elle est ta maman, ben, j'aurais dessiné ainsi, et voilà, c'est son portrait. Et puis quand elle a ouvert la porte, c'était pas elle, quoi. Encore. Déjà pour moi c'était une étrangère, mais là c'était vraiment la totale, c'était plus qu'une étrangère. Mes clientes ne sont pas étrangères, elle est étrangère. Je ne l'ai jamais embrassée, je ne savais pas dire ni maman, ni son prénom, et je ne sais même pas comment je l'appelais. Je ne me rappelle plus, tu, vous, je ne sais plus. Elle n'avait pas de nom pour moi. Non, elle n'avait rien. Tu penses avoir des centaines, des milliers de questions. Tu te dis, ah ouais, bah ouais, après 30 ans, tu te dis, pourquoi si, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle n'a pas pensé à moi, en étant à quelques mètres, à quelques kilomètres, puisqu'on habitait Bruxelles tous les deux. Est-ce qu'on s'est croisés, pas croisés? Ça sert à rien, à rien du tout. Il y a quelques mois, Nadia apprend par courrier le décès de sa mère. Ça m'a choquée, ça m'a fait... Tu vois, toutes les questions se sont remises dans ma tête, quand même pendant 15 jours. Je me suis dit, au fond, j'ai rien su avant, maintenant je sais qu'elle n'est plus là, mais je ne sais toujours rien. Au fond, on raconte beaucoup de choses et on n'a rien vécu avec. Je pourrais parler des heures et des heures de ma mère que je n'ai pas connue, c'est comique. C'est invraisemblable, hein. Et au fond, il n'y a rien, il n'y a pas de suite. Pas maintenant, c'est fermé, puisque je sais qu'elle n'est plus là, mais l'histoire est finie. Maintenant, je suis mon histoire avec mes enfants. Être sa propre histoire. Se débarrasser enfin de tout ce fatras de rancune, de tristesse et de colère qui ne nous appartient pas et qui nous a tant encombrés. Car il y a la famille dont on vient et il y a celle que l'on choisit de se créer. Et passer de l'une à l'autre, c'est là toute l'histoire. Celle que nous racontent tous les contes de fées et celle que va nous conter Vivi, la tatoueuse du coin. Vivi adore Mercredi Adams, mais elle s'appelle Vendredi. Oui, oui, Vivi, c'est le diminutif de Paraskevi qui veut dire vendredi en grec et c'est son prénom. Présentation du clan de Vivi. Le frère, Alexandre, la mère, Marianne, et enfin le patriarche, Tony. Quand il est né, c'était
belle petite puce comme ça. Les infirmières l'ont pris et l'ont mis sur le côté pour la nettoyer. Figurez-vous que je suis resté tellement longtemps près d'elle que je ne me suis même pas aperçu qu'au-dessus de moi, il y avait une lampe, genre infrarouge. Et à un moment, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais en train de prendre feu. Quand elle est venue au monde, c'était, voilà, c'était un don du ciel. Il en était dingue, il en est toujours dingue, hein. C'est toujours sa fille. Et mon père, qui est très conservateur, qui a la mentalité grecque, se demandait si c'était normal que j'avais pas de petit copain, si j'en avais un mais que je le disais pas, pourquoi est-ce que j'en ramenais pas un à la maison. Mais l'arrière-pensée de mon père, c'est toujours aussi... il voulait, mais en même temps, il ne voulait pas que j'ai un petit copain, quoi, en fait. Hein. C'était un peu compliqué. On savait que tôt ou tard, elle allait rencontrer quelqu'un. Mais disons qu'on ne voulait pas que ça aille un petit peu trop vite. J'ai toujours dit, le premier qui rentrerait à la maison et que je présenterais à mon père, ce serait le bon. C'est vrai, c'est vrai. Elle m'a dit, tu sais, maman, le jour où quelqu'un rentrera à la maison, c'est que ce sera le bon. C'est avec lui que je voudrais faire ma vie. Quand on tape Paraskevi dans Google, on tombe sur Paraskevi Dekatriaphobie, la phobie du vendredi 13. Vivi n'est pas superstitieuse, mais c'est bien un vendredi qu'elle a rendez-vous avec son destin. Et aller vers son destin, ça, ça peut faire peur. Donc c'était un vendredi soir, et donc je me rends dans un café où il y avait un concert de rock. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a quelqu'un qui rentre, un homme qui rentre, et qui vient se positionner juste devant moi, et je le regardais. Et en fait, je regardais même plus le groupe, ça m'intéressait même plus. Dès qu'il sortait, je trouvais un moyen de sortir en même temps que lui pour le suivre un peu, pour le regarder. Et pendant toute la soirée, ça a été comme ça. J'arrivais pas à parler, quoi. Enfin, je pense qu'il serait venu me parler de lui-même. Je pense pas qu'il y aurait un mot qui serait sorti de ma bouche, en fait. Ben, j'étais submergée, en fait. Hein. J'étais vide. Je la vois rentrer dans la voiture et elle était toute triste, elle pleurait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je pense avoir rencontré l'homme de ma vie. Et je dis, bah, mais quoi, tu ne lui as pas parlé? Vous ne vous êtes pas parlé? Elle me dit non. Et ma mère, à ce moment-là, bah, elle se propose, elle me dit, si tu veux, je viens avec toi, on lui demande son numéro. Et donc je lui dis, non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Je vais avoir l'air ridicule. Et puis, via l'aide d'une amie, en fait... qui m'a aidé à chercher sur Internet, on l'a retrouvé en fait sur Facebook. Et Adrien est rentré dans sa vie et dans la nôtre. Finalement, qui laisse-t-on entrer dans nos vies? Il y en a qui entrent avec force fracas et éclaboussure un soir de concert. Il y en a d'autres qui s'y glissent un petit matin l'air de rien et qui finalement subliment tout. Et il y en a qui n'y entrent jamais vraiment, mais qu'on continue d'idolâtrer dans le secret de nos cœurs. Sous ses airs de petite mamie, Madame Rose garde une âme d'adolescente. Braver les interdits en cachette, n'est-ce pas là un des plus beaux secrets de l'éternelle jouvence? Il y a des bonbons? Oui. À la menthe. Un des comme ça. Non. Tiens. Non. C'est plus discret. Je sens. Non, non. Je vais faire chauffer la soupe. Bonne ta soupe. Oui, oh. Elle était bien. Moi, j'ai mis un peu trop de poivre, je crois. C'est ça qui est toussé comme ça. Oh, ne me semble pas. Le poivre, on peut en user et en abuser. Ben oui, t'inquiète. Voilà. Voilà. Bonne promenade. Rose et André fêtent cette année leurs 60 ans de mariage. 80 ans tous les deux,
trois enfants, quatre petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants, ils sont à la tête d'un empire de bonheur familial. Mais cette belle histoire aurait pu ne jamais voir le jour. C'est beau, une première histoire d'amour. Parce que, je sais pas moi, tu as vraiment ton cœur qui toque quand tu le vois. Et encore à l'époque, tu devais te cacher des parents, hein, parce qu'on ne pouvait pas comme ça flirter dans la rue. Donc il fallait toujours trouver des petites combines pour se voir dans un petit coin, s'embrasser, flirter, c'est tout. Et lui, c'était un très, très beau garçon. Je t'ai dit, 1m82, juste à... pas gros, pas mince, vraiment blouson de cuir. Pendant des années, je sentais encore l'odeur de son blouson de cuir. Et bon, ben voilà, quand même, j'étais pas à son goût puisqu'il m'a laissé tomber. Il s'appelait Alain. Et on est sortis presque 2 ans ensemble. Tu pleures, la vie s'écroule autour de toi. Tu n'as personne pour te consoler parce que de toute façon, mes parents ne voulaient pas de ce garçon, d'Alain. Ma sœur le savait. Je t'interdis de voir Alain. Je le voyais quand même. J'aurais peut-être dû lui dire que je l'aimais. Parce que, en fait, je pense qu'il ne l'a jamais su. Et il ne l'a certainement jamais su. Parce que j'étais jouette. J'étais toujours très gaie, j'avais toujours une réserve dans mes sentiments. Et puis André, ben, je pensais jamais, jamais, jamais un jour me marier avec le style d'un garçon comme André. C'était pas du tout le style de garçon qu'on fréquentait à l'époque. Et puis voilà ce fameux bal. Je vois d'abord André qui rentre avec son ami Georges et la copine de son ami. Et puis, il y a quelques garçons qui viennent m'inviter à danser, je danse. Et puis, André vient m'inviter à danser. Et déjà là, je me rétractais un peu en voyant qu'il allait venir m'inviter à danser. Et quand même, je me lève, c'était un slow. Et là, c'est là que j'ai vu rentrer Alain avec sa nouvelle amie, qui était une femme beaucoup plus âgée que lui. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je trouvais que j'étais quand même encore beaucoup plus jolie qu'elle, parce qu'elle n'était vraiment pas belle. Et je me suis dit, ah là, je ne vais quand même pas lui montrer le choc que ça me fait. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée d'André. André, bien sûr, c'est un garçon. Hein. Il s'est dit, bah, on va quand même passer un bon petit moment, on va flirter, et puis voilà. Et après, on allait au cinéma ensemble. Petit à petit, il est rentré à la maison. Et puis voilà, ça s'est déroulé comme ça. Moi, j'avais une maman qui disait toujours, un garçon qui vous aime vous respecte jusqu'à la nuit du mariage. Et donc, Alain, qui était quand même un garçon bien bâti, il voulait toujours aller plus loin, et je n'ai jamais voulu. Et je me suis dit, là, même pas si c'était André, hein, je me suis dit, quand c'était rompu, le premier qui me le demande, je dis oui. Et le premier, c'était André. Et la première fois, eh bien, j'étais enceinte. C'était pas plus compliqué que ça. Donc, on s'est mariés jeunes. Ah oui, ça, je me disais quand même. J'étais enceinte, là, c'était trop tard. Mais avant l'acte, je me disais, après lui, si ça ne tient pas avec lui, ben, ce sera un autre et encore un autre. Et c'était lui. Mais c'est une histoire que j'ai quand même racontée à mes enfants. Je trouve qu'il faut quand même avoir une histoire dans la vie. Je crois que ce n'est pas nécessaire d'être amoureux dès le début. Ça peut venir tout doucement, comme nous. Ça s'est passé, quoi. J'ai aucun regret. Franchement, aucun regret. La vie que j'ai faite après, je n'aurais pas pu l'avoir meilleure. C'était le destin, c'était comme ça. Au fond, de quoi a-t-on besoin pour être heureux? Rue de la Gaîté comme ailleurs, avec un peu d'amour, de chaleur et un toit au-dessus de sa tête, on est déjà bien parti. Mais parfois, on a peur de manquer ou on croit que l'herbe est plus verte chez le voisin. On est bien chez soi, mais on a envie d'aller voir ailleurs. C'est ce qui est arrivé au sens propre à Daniel, au tout début de la rue.
faut savoir que Danielle a acheté cette maison ici, il y a 15 ans. L'année passée, elle a déménagé là, mais tout en gardant sa maison ici. Vous n'avez pas tout compris ? C'est pourtant simple. Elle vivait ici, puis elle a loué là, tout en gardant ici, où elle réemménage aujourd'hui. Donc l'appartement était libre, donc comme c'était petit chez moi, il me semblait que je serais mieux ici, plus à l'aise, et j'ai commencé à déménager. Il me semblait que ce n'était pas un déménagement, que ça se faisait d'une porte à l'autre et que je n'allais pas avoir de mal. Mais en réalité, si, c'était descente, montée, descente, montée. Que pour finir, j'avais la moitié de ma maison ici. Quand je voulais faire à manger, il fallait retourner chez moi. Et voilà, c'était deux maisons. Et si je t'aime, si je t'aime. Ça devenait embarrassant vu que j'avais des casseroles et des poêles d'un côté. Et j'avais la vaisselle de l'autre dans les armoires. Je faisais mon petit souper ou ce que j'avais envie. Et puis, au soir, parfois, je venais voir la télévision ici. Mais dormir, je ne dormais pas ici. Pourtant, le lit était fait. Et non, je retournais chez moi. Avec mes chats, ma famille, au fond, puisque hein, j'avais mes habitudes. Et peut-être bien que quand on est jeune, on déménage d'une maison à l'autre, peut-être bien. Mais quand on est un peu plus vieux, ben, on tient à ces histoires. Donc, voilà. Je recommence. Une nouvelle vie. Poser les pieds quelque part et choisir les siens. Pour Vivi, il reste une question de taille. Est-ce que son hellénique famille va accepter l'élu de son cœur ? En fait, je suis avec Adri depuis un mois et je veux le présenter à ma famille. Et ben, l'occasion, c'est Noël, en fait. Hein, donc j'invite tout le monde. J'invite mes cousins, mes tantes, ma grand-mère. Et on se retrouve à passer 30 personnes, en fait, le jour de Noël. Et... ils vont tous accueillir Adri, en fait. Et ma mère annonce à mon père devant tout le monde qu'Adri va arriver ce soir et que c'est comme ça qu'il va rencontrer son beau-fils, en fait. Donc j'ai été le dernier à savoir que je suis vers aux alentours de 11h, comme quoi Adrien il allait nous rendre visite. Avoir un petit ami, c'est une chose. Mais de là à faire entrer quelqu'un chez elle, le pas était immense. C'est quelqu'un qui rentre chez toi, c'est quelqu'un qui vient pour enlever ma fille, dans un sens. Je lui ai serré la main, il m'en a pas plu. Il m'en a pas plu. Il m'en a pas plu du tout, même. Le premier contact, ça a été la poignée de main assez froide de mon papa. Et il n'y a pas eu vraiment de contact. Mon père est parti sur son ordinateur et Adri restait là avec tout le monde, en fait, avec tous les cousins, les tantes, les oncles. Et si j'aurais pu lui dire, allez, maintenant, c'est suffisant, tu retournes chez toi, ben, je l'aurais fait. Mais bon, on peut pas faire ça parce que c'est votre fille qui l'a fait rentrer chez vous.
maintenant, ça va, il accepte et c'est normal de toute façon. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble et tout se passe bien. Il fait partie des meubles. Hein. Il fait vraiment partie de la famille. Je n'ai que 2 enfants, mais bon, voilà, Adrien fait le 3e. Et quand mon fils rencontrera son âme sœur également, ben, ça me fera 4 enfants, voilà. Choisir son destin, en dépit de ses peurs ou des conventions sociales, rue de la Gaîté comme ailleurs, c'est la grande aventure de chacun. Quand Jérémy a choisi de devenir embaumeur à 18 ans, il habitait chez ses grands-parents paternels, Joseph et Blanche, qui l'ont accueilli tout petit. Quand il est venu chez nous, on était vraiment contents parce que on était quand même deux vieilles personnes et avec un petit comme ça, avec nous, c'était l'idéal. Hein. Puis, bon, petit à petit, il a fait ses études et a commencé à sortir comme le jeune. Ouais, il a fait un petit peu de... Hein, faire teindre ses cheveux rouges. Hein, c'est un petit peu son chose. Mais on n'a jamais été contre ces choses sur lui. Cette amitié bien, très difficile. Quand il était jeune, il disait qu'il voulait être médecin légiste. Pourquoi, comment, ça s'est passé dans son esprit. Ben, il n'a pas fait médecin légiste, mais pas loin quand même. C'est... Ah oui. Ouais. Je suis très, très, très fière de qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait en cours maintenant. Parce que c'est courageux aussi. Ça, oui. Et je l'aime très fort. Et encore le temps qu'on vit. Souvent collé une étiquette du croque-mort du coin. Et en fait, ben le croque-mort du coin adore la vie et il la croque à pleines dents. Et donc, je trouve ça super cool d'habiter à la rue de la Gaîté. Je le vois épanoui, je le vois gai, je le vois bien, je le vois... C'est un homme qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien... Il est très, très bien, oui. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir un fils comme ça. Rue de la Gaîté, pas besoin d'attendre le carnaval pour être heureux. On a tout ce qu'il faut, juste à portée de la main. Que ce soit de pouvoir vieillir heureux ensemble, en gardant une âme frivole, ou d'avoir osé braver la morale par amour et d'avoir eu confiance, assez pour attendre 20 ans s'il le fallait, ou encore de devenir soi-même la mère qu'on n'a jamais eue. Ou d'oser suivre ses rêves sans jamais se soucier du regard des autres. La rue de la Gaîté, c'est une rue extraordinaire. Exactement comme toutes les autres rues. Build it and break it down, just make it.